L'archipel des Chagos est un ensemble de 55 îles reparties en 7 atolls situés dans le centre de l'océan Indien. Du jour au lendemain, les Chagossiens, soit environ 2000 personnes, se sont retrouvés par la force ou la ruse à Maurice et aux Seychelles. Des 450 familles déportées, il ne reste plus qu'une cinquantaine de personnes qui ont connu l'archipel des Chagos. La plupart d'entre eux vivent dans la misère et dans les quartiers pauvres où ils avaient échoué à leur arrivée. De nombreux essais ont été faits pour que les Chagossiens puissent rentrer chez eux, mais en vain. En 2012, une nouvelle tentative s'est mise en place. Une pétition sous le nom de We the People, ciblant 25 000 personnes, afin que la Maison Blanche corrige l'injustice faite aux Chagossiens. Le message que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est encore une fois de donner un soutien. Un soutien pour les cause, parce qu'on le veut dire, nous ne pouvons pas rien en plus. C'est un droit tout à fait légitime. C'est une dignité d'un peuple qui, comment dire, qui fait une bafouée pendant des années et nous bureau de réparation. C'est pour cette raison-là qu'il nous peut faire appel à la Maison Blanche et surtout à Barack Obama sur l'administration pour corriger cette injustice-là. Plusieurs personnes et aussi des groupes comme Away se sont proposés comme bénévoles pour cette cause. Il y a beaucoup d'individus qui, avec l'indépendance, quand l'indépendance finit venu, nous finissons aussi un Chagossien qui fait une partie importante de l'histoire parce que c'est un peuple qui fait une victime de sacrifice. Donc, il est important qui nous rappelle le sacrifice de notre Chagossien. Et avec sa pétition-là, il finit un moyen pour qu'il nous rappelle un petit peu l'histoire. Cette fois-ci, les Chagossiens ne mènent pas la lutte seuls, car ils ont le soutien de nombreux Mauriciens. Eh bien, je pense que ce n'est pas correct que les Chagossiens, l'île natale, je suis né là-bas, qui est une nation qui est plus grande, qui est plus puissante, qui est là-bas, sans qu'ils ne soient pas capables de faire rien. Je suis même dans la situation là, moi, je suis Mauricien, je suis né ici, donc je suis ici, c'est Maurice,
Mais Enzo, demain après demain, semaine, elle m'a expulsé moi depuis mon pays. Franchement, moi, je pensais que tu faisais réaliser ça. Tu me demandes ça, mon sentiment concerné pas ça. Parce que ça aurait pu être moi là-bas, moi qui est un Chagossien, moi qui est déraciné de ma maison, ma maison natale, enfin, l'endroit où j'habitais. Et voilà, mais je comprends cette situation, je me suis raconté qu'ils ont aussi regagné la terre où ils sont nés. Et je pense que c'est un père qui nous déracine dans notre pays natal pour nous établir dans un pays complètement inconnu. Je ne suis pas sorti de Côte réellement, même si Maurice il accueille à bras ouverts. Je ne suis pas réellement Côte d'Azur, je ne suis pas vraiment home, you know. And that's it. Et Chobi, qui a réussi ce combat pour regagner notre île natale. Et voilà. Et si une signature capable d'aider, je vous donne une signature. Cependant, le soutien n'est pas unanime. D'autres sont sceptiques par rapport à cette cause. Il faut bien avoir une réponse concrète. Qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas contre sa pétition. Il ne faut pas pour aussi. Il y a une affaire qui appelle besoin d'une mission et d'une vision. Mais c'est une seule mission. C'est tout simple, madame. Cette femme pleure toujours aujourd'hui, en espérant rentrer chez elle un jour. Les Chagossiens luttent pour une cause. Vont-ils réussir? Vont-ils retrouver leurs îles natales? Seul le temps nous le dira. Je vais vous donner une réponse concrète.